Écoute, Houston, c'est une équipe qui est physique. C'est une équipe qui, à domicile, comme tu l'as dit, ils n'ont pas perdu. Ils savent ce qu'ils sont bons, puis ils le font très bien. Et nous, on va essayer d'aller là en sachant qu'il faut qu'on aille chercher une victoire. Et puis, en même temps, bien, en espérant de peut-être casser le rythme de ces séquences de victorieuses à domicile. Mais il faut avant tout faut les égaliser au niveau de l'énergie, au niveau de la présence physique. C'est une équipe un peu comme Kansas City qui va venir, qui va mettre de la pression. Puis ils ont quand même, les deux équipes ont quand même quelque chose à jouer. Même ils ne veulent pas se mettre la pression en ayant une défaite, puis après ça, devoir forcer à gagner les deux derniers matchs. Ah, ben là, c'est sûr, il manque, Colin ne sera pas là, donc c'est un élément, l'élément partant qui est important. Mais bon, tu as Andrew qui, à chaque fois qu'il rentre, apporte quelque chose. Ça donne peut-être un peu plus de liberté à Marco de s'exprimer au niveau de la créativité et pas toujours juste jouer à être le seul qui fait peut-être les appels en profondeur. Puis je pense que les automatismes sont beaucoup plus là depuis le début de la saison, donc on se connaît mieux offensivement. Donc ça fait que si on change le système un peu, ça ne devrait pas trop affecter, surtout peut-être donner un peu plus de liberté aux deux ou trois joueurs ou quatre joueurs offensifs de savoir combiner un peu plus.